Voici ce qu'on va faire. Vu que j'ai parlé de votre fille, alors, Kim Makoso était récemment à Bamako pour organiser une vente privée. Écoutez, non, c'est quoi le problème? Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Mantella, s'il vous plaît, nous sommes en train. Quand tu te joues, elle est dangereuse. Hein? Écoutez, tu es en face du Daichi. Ce téléphone m'appartient, d'accord? Eh bien, tu sais, il faut tourner photo, on va faire. Vous parlez de quelle photo? On va voir la photo. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok, allons-y. J'ai la photo de ma prétendante dans ce téléphone. Donc, c'est pas une publicité que je fais, s'il vous plaît. Qui t'a donné une photo, garçon qui sort de moi? Non, c'est pas une question. Allons-y. Laissez-moi poser ma question. Posez la question. Donc, ma question est la suivante. Kim Makoso était récemment à Bamako pour organiser une vente privée. Certains acteurs de la société ont directement exprimé leur mécontentement face à vos propos. Vous, Makoso, j'estime que vous faites franchement des déclarations jugées franchement offensantes. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Vous offensez tout le monde, vous faites la démagogie de part et d'autre, vous n'avez aucun objectif. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, vos problèmes, le plus souvent, interpellent même vos enfants. À cause de vous, ils ont failli créer des problèmes à votre fille. Oui, tu sais, moi, c'est un enfant d'Aboboga. Nous, on est des vagabonds. Nous, on n'a pas fait école. Nous, on est nés dans la rue, on a fait la rue. On est des vagabonds qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avons visité. Un vagabond. Je suis un ancien vagabond. J'assume mon vagabond. Un ancien vagabond est un champion. Et toi, on est sur le plateau, quand on peut prendre une chaille. Tu peux prendre un marat taper et te dormir en même temps, tu n'as rien compris dans le mouvement. Faut dire merci à Dieu. Sinon, si moi j'étais dans ma avant 24, ma première question commence à te dire, tu es à coucher. Mais elle te répond à ta question. Il y a eu un problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est l'histoire des 49 soldats. Je suis le plus grand influenceur de mon pays. Affaire de l'AES. Voilà. C'est normal que je défende mon pays lorsque mon pays est accusé et que je suis convaincu que les accusations sont des accusations farfelues. C'est normal que je défende mon pays. Certains Maliens l'ont mal pris. Ils ont estimé que je manquais de respect à leur pays. L'humilité m'enseigne que je dois présenter mes excuses. Ma fille Kimi me dit, papa, la Guinée t'aime, le Cameroun t'aime, le Congo t'aime. Mais moi, je vais aller au Mali, au Burkina Faso. Devant le Burkina Faso, les Burkinabés, on ne veut pas te voir à cause de ton père. J'ai dit, c'est pas bien grave. Au Mali, il a failli avoir des soubresauts. Mais gloire soit rendue à Dieu que le roi 12-12 et mon fils, Sidiki Diabaté, dont je suis à l'initiative de sa libération. C'est pour vous dire que Makoso sait à quelque chose. Lorsque Sidiki Diabaté avait été arrêté, lui qui est la légende de la musique malienne, tous les influences ont fui. C'est moi, Camille Makoso. Qu'est-ce qu'elle est? Le conseil de la libération de Sidiki Diabaté avait près de 20 000 personnes en Côte d'Ivoire avec mon argent. Dans les 48 heures, les autorités étaient obligées de le faire libérer. Donc, Sidiki Diabaté a pris ses responsabilités pour que l'événement de ma fille ait lieu. Et c'est pourquoi il a accompagné votre fille? Bien sûr. Ok, mais alors, quand dites-vous, concernant cette question, selon ce qui s'est dit, votre fils est un ancien de Sidiki Diabaté? Sikimi est ancien de Sidiki Diabaté. Oui. Multimillionnaire. Le guinéen le plus reconnu. Donc, ça vous fait plaisir. Ma vie a changé. Sidiki, enceinte encore ma fille. Ça vous fait plaisir? Oui, c'est une femme. Ça vous fait plaisir? Mais je suis content. C'est quelqu'un qui n'a pas épousé votre fille. C'est pas grave. Enceinte votre fille. C'est pas grave. C'est ma fille. Je suis désolé. Un enfant n'est pas un malheur. Un enfant est un bonheur. Je suis vraiment navré. Hein. Mais vous donnez une information. Je vous donne ma réaction. Vous êtes fâché pourquoi? Non, mais franchement. Tu es fâché pourquoi? Moi, c'est ma fille. Je suis même surpris. Honnêtement, je suis surpris. De quoi? Ça vous fait plaisir que ma fille soit enceinte. Vous parlez de ça. Et que moi, je serai grand-père. Télévision. Que ma fille n'est pas stérile. Que ma fille est capable de procréer. Un enfant Sidiki Diabaté, sortant d'une lignée de griots, appartenant au Mali, peuple noble, pays de Sindata Keïta. Moi, j'ai être malheureux, je serai le père le plus heureux. Je ne peux jamais être malheureux. Vous n'allez pas réagir face à cette grossesse. Mais une nouvelle de un enfant est une bénédiction. C'est une grossesse non désirée. Qui t'a dit c'est non désiré? Mais franchement. Quand deux personnes sont entrées dans la chambre, qu'ils ont fait Alléluia, Amen, dans un moment de pétoral, il n'y a pas enfant non désiré. Quand vous avez décidé de faire, c'est que l'enfant est désiré. Chez nous, il n'y a pas enfant désiré. Je suis prêt à accueillir ce bébé. Hostia, maman mia, je suis vraiment navré. Hein. Ne soyez pas navré. Tout à l'heure, je vais opérer votre petite délivrance. Allons-y, je suis prêt. Bon, il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, hein, nous sommes toujours dans l'émission. Monsieur Campbell, reprenez vos esprits. J'ai l'impression que vous êtes un peu déséquilibré. Moi, je n'ai aucun problème. Allez, on continue. Tout va bien chez moi. Hein. Continuons. Par contre, vous êtes... C'est comme si vous avez peur.
de perturbé. Qui, de quoi? Soyez cool dans l'émission. Encore défendu. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Okay. Il a fait de toi un kabato. Ok, ok, voilà ce qu'on va faire. Mais laissez mon téléphone, j'ai toutes mes questions dans ces téléphones. Allez-y. On va donc prendre cette autre question. Ben, alors, Général Camille Makosso, vous avez été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, suite d'une accusation d'escroquerie de la présidence de la République. Camille Makosso. Non. Vous... Allons-y, elle te répond. Tu as menti dans ta question, mais elle te répond. Non, mais allez-y, allez-y alors. Allez-y, répondez à la question. Mais depuis on a si là, tu mens. Moi, il fait prison, il fait 15 mois à la MACA. Oui, mais pourquoi vous avez... Écoutez, ne me traitez pas de menteur. Mais moi, tu mens pas. C'est une information bien vérifiée. Mais quand vous... Tu mens, puis tu dis que c'est vérifié. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'on t'a trompé. Je vais maintenant... Qui m'a trompé? Qui? Tu veux dire que tu avais une information? Non. Laissez bon, la source. Je vais poser une question. Makosso a été mis en prison par une accusation venant de la présidence. Maintenant, comment se fait-il qu'il est le porte-parole national des pasteurs devant la présidence? Non. Vous avez escroqué la présidence, c'est pour qu'on vous a mis en prison. Escroqué? Mais écoutez, mais la phrase, elle est bien... Alassane Ouattara, PhD en économie. Écoutez. Ancien directeur du FMI. Moi, Makosso, je peux l'escroquer? Écoutez, Makosso... Mais vous manquez de respect au président à la Côte d'Ivoire. Moi, Makosso, je peux escroquer la présidence d'Alassane Ouattara. Cette histoire de connu de tous les Ivoiriens. Bon, vous n'avez pas l'information, je vais vous aider. Non, je ne veux pas que vous soyez ridicule. Je vous non. En 2009, en fait, à vous entendre parler. Non, les Ivoiriens vont se moquer des journalistes guinéens. Makosso. Je connais les Ivoiriens, mon frère. Tu seras sujet de panel. Laisse-moi t'aider. Laissez-moi poser ma question. J'ai posé la question. Je sens que vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. C'est à moi maintenant de répondre à la question. Allez-y alors, rapidement, on vous écoute. Je ne veux pas que les Ivoiriens que je connais, les plus grands attacheurs, puisse t'attacher pendant 20 jours parce que tu as donné une information. Parce qu'ici, je te pose la question, c'était en quelle date? Je vous renvoie, je peux vous répondre? En quelle date Makosso est arrêté? Ok, Makosso, donc, la date, c'était le 30 mai 2015. 2000 ans? 2015. Merci bien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la présidence. Non, écoutez, mais non. Mais je vous explique. Non, laissez-moi finir. Mais pourquoi vous voulez nier? Laissez-moi finir. Allez-y. Ok, en 2009, j'ai été amené en prison pour 185 réunions. T'as vu ton affaire petit? Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, nous tous les prisonniers, on est sortis. Donc je ne suis pas sorti avec un papier. C'est comme si c'est un évadé. Donc il y a eu un mouvement de Tchengen, ils sont avec les pasteurs. Ils sont allés voir le juge pour dire Makosso, c'est un évadé. Il faut qu'on le ramène là-bas. Voilà comment en 2015, on me ramène en prison sous prétexte que j'étais un évadé. J'ai fait 12 jours, non 15 jours. Après les 15 jours, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, constatant que Makosso est l'homme le plus honnête, parce que les 185 plaignants dont on parle, Makosso a remboursé 80 millions, on a ordonné la libération de Camille Makosso avec un papier. Écoutez. Donc comment se fait-il qu'un ancien prisonnier comme moi, je bénéficie aujourd'hui de toutes les largesses de mon pays? Et je vais jusqu'à rencontrer le président de la République en tant que le représentant de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Monsieur, s'il vous plaît, lorsque le général parle, il parle avec des faits et des preuves. Lesquels? C'est quoi ça? Mais non, ça c'est quoi? C'est une photo prise avec le président Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Donc dans mon pays... Je suis capable aujourd'hui de rencontrer le président. Qui sont ceux qui sont derrière? C'est... Est-ce que c'est des... Bon, je ne sais pas trop, c'est des pasteurs, je ne sais pas. Mais qui est devant? Qui est devant? Mais écoutez, je peux... Non, mais je pas. Peux, qui est devant? Je peux aussi vous montrer ma photo avec le général Doumbouya. Qui est devant? L'actuel président de la République. Qui est devant? Qui est devant? Laissez tomber, moi, ça c'est Makosso qui est devant, non? Mais peut-être c'est lui. Franchement, tenez votre téléphone. Et puis là, c'est avec qui? Le premier ministre qui? Amène Bakayoko. Ah, d'accord. Personne n'aime. Okay. Et là, c'est avec qui? Ministre Konaté Sidiki. Ok. Non. Ça, c'est avec qui? Non, laissez... Le haut représentant du président de la République. Laissez... Et ça, c'est avec qui? Non. Le ministre Bakongo. C'est les anciennes photos, ça. Écoutez. Attendez, monsieur, c'est pour vous dire que si Camille Makosso dans son pays ne bénéficiait pas d'une crédibilité, les autorités les plus sérieuses aujourd'hui de ce pays ne s'afficheraient pas avec Camille Makosso. Okay.